Bonjour, Christelle Seré. Ce matin, le but de ma capsule, c'est de vous expliquer c'est quoi un persona. Un persona en marketing, c'est un personnage, comme son nom l'indique, qu'on va créer, donc quelqu'un d'imaginaire, qu'on va faire adapter, puis qu'on va créer une personnalité puis une identité autour de ce personnage-là pour mieux définir sa stratégie publicitaire. Par exemple, vous vendez des jogging sport, vous êtes un magasin de vêtements sport, puis votre public cible, c'est une femme dans la trentaine qui fait du jogging, qui a un salaire moyen, etc., etc. Oui, on va aller dans la définition très simple d'un public cible, votre public cible primaire, votre public cible secondaire, puis votre public cible tertiaire. Par contre, l'objectif d'un persona, c'est d'aller plus loin que ça. Donc, on va prendre un personnage, on va l'appeler Julie Tremblay. Donc, Julie Tremblay, on vient de lui donner un nom, on va lui donner des attributs physiques. Puis si vous êtes capable même de faire un dessin ou un croquis de quoi visuellement elle a l'air, ça va être une manière d'aller encore plus loin dans votre thinking. Donc, Julie Tremblay, on sait de quoi elle a l'air physiquement. On connaît aussi ses habitudes de vie. Donc, on ne veut pas juste la femme qui aime courir. On veut savoir c'est quoi qui l'entoure, cette femme-là. Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'en plus de courir le matin, est-ce qu'elle va au zoo l'après-midi, la fin de semaine? Est-ce qu'elle suit ses enfants dans des équipes sportives? Est-ce qu'elle va au restaurant tous les samedis soirs? Bref, plus on s'en va précis dans les attributs psychologiques, physiques et ce qu'elle fait aussi, donc, pas juste ce qu'elle pense, pas juste sa manière d'être, mais aussi, comme je le mentionnais tantôt, ses activités en dehors de l'activité précise que vous avez en tête, comme je disais tantôt, le sport. Plus vous connaissez cette personne-là, plus ça va devenir simple et efficace et facile d'aller la rejoindre. Un peu comme votre meilleure amie qui vous compte des secrets. Bien, votre meilleure amie, vous la connaissez tellement que vous êtes capable de voir avant même qu'elle vous raconte ce qui s'est passé, vous êtes capable de savoir ce qu'elle va vous raconter. Donc, c'est un peu le même principe. Votre Julie Tremblay va devenir en quelque sorte votre meilleure amie qui va vous aider à définir mieux votre stratégie sur le court terme, sur le long terme, puis comment aller chercher votre clientèle cible principale directement, mais aussi indirectement. Fait que faites l'exercice, définissez le plus précis possible votre personnage idéal. Oui, ça ne sera pas la seule et unique manière d'aller chercher votre clientèle, mais ça va vous permettre de vous guider. Puis dans vos prochaines stratégies, pensez, OK, moi je m'en allais faire ça, penses-tu que Julie Tremblay, ça serait une manière d'aller la chercher? Donc, si votre réponse est non, on s'entend que votre stratégie n'est pas bonne. Si votre réponse est oui, bien, vous êtes déjà en avance. Ça n'enlève pas les autres. Il peut y avoir d'autres types de personnages selon des services différents. Je parlais de jogging tantôt. Vous pouvez avoir des sphères, vous pouvez avoir le monsieur muscle aussi si vous avez un centre sportif ou peu importe. L'idée, c'est d'aller stéréotyper, pas nécessairement stéréotyper, mais c'est d'aller imaginer votre personnage, votre clientèle préférée type, ce qu'a fait son entourage, puis ça va vous aider à mieux définir votre stratégie, puis comment vous allez aller chercher votre clientèle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée!